Bonjour, c'est Isos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois dans cet incroyable studio qu'est le Red Bull Studio. Vous connaissez le concept, mon but ça va être de mettre au défi les artistes qui passent ici avec des prods qui sortent un peu de leur univers habituel. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec Todd. Todd, mon gars. Ça dit quoi? Ça va, tu vas bien? Tout tranquille? Ouais, ça va? Ça va, hein. Todd, pour te présenter rapidement, tu fais partie des artistes à suivre en 2021. Je pense notamment à ton dernier clip Travaux, que ouais. T'as sorti il y a à peu près combien de temps? Il y a, on va dire, un petit mois là. Un petit mois, et t'as fait plus de 700 000 vues quand même. Hein. 700 000, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Tout va bien, on se porte ça bien. Ça va. Moi, mon défi aujourd'hui, Todd, ça va être de te faire poser sur des prods hyper pop. Est-ce que tu vois globalement ce qu'est l'hyper pop ou pas? Non, même pas. En gros, l'hyper pop, pour faire très très simple, de toute façon, on va en rediscuter après dans la vidéo, c'est un style de prod assez rapide, un peu futuriste, tu vois, ouais. Que je te propose, c'est qu'on écoute ça tout de suite. On va y aller. Let's go. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé trois prods. Tu as une sélection de trois prods. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute chacune d'entre elles. Vas-y. Et puis tu me diras laquelle te parle le plus. Vas-y, t'es chaud? C'est bon. Vas-y, let's go pour la première. Ça, c'est vraiment le délire hyper pop, tu vois, genre les mélos un peu rapides, les trucs, les voix, ouais, les trucs. Je pas, j'aime beaucoup quand même. Hein. Ça va, ouais. Vas-y, ok. Ça va. Tu la notes intérieurement, on écoute les deux autres et ensuite tu me dis ce que t'en penses, ok? Vas-y. Vas-y, let's go, on passe à la seconde. Un peu moins. En fait, ouais, celle-là, elle est plus sentimentale, tu vois ce que je veux dire? Elle est moins dans le délire en jaillant. Elle est moins dans les... Toi, t'es pas trop dans les sentiments. T'as envie de... Ouais, nous, on a envie de... On a envie de bouger, de s'amuser, finalement. On a envie de... Ouais, là, ouais. Mais... Ce que je te propose, c'est la dernière. La dernière, c'est... Je pense que c'est ma pièce préférée. Vas-y, j'oriente pas trop, mais je te fais écouter. Vas-y. Celle-là, je l'aime bien, en vrai. Attends, je vais me concentrer, là. Je vais me concentrer. Tu vois, genre... C'est bon déjà. Celle-là, elle a un bon mood. Celle-là, elle a un bon mood. Hein. Elle feeling good, celle-là. Elle feeling good, hein, non? Ouais, en vrai, ouais. Non, de vous. En fait, ce que j'aime sur celle-là, tu vois, c'est le côté mélodie joyeux, tu sais, genre ouais. En mode limite ouais, enfantin, ouais, tu vois. Ça enjaille. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça enjaille. Celle-là, en vrai. J'ôte ma capuche, même, carrément. Ça enjaille. Après, il y avait la première aussi. La première tantôt, là, mais je te mens pas, celle-là, elle m'enjaille. Tu te vois bien partir dessus? Ah ouais. On va faire un rap inconscient de fou. Un rap inconscient. On part sur du rap inconscient. C'est un bon là. Concept, ça, en vrai. On va partir sur un rap inconscient. Vas-y. De toute façon, on est parti sur ça, là, je crois. J'enlève la sacoche, même, carrément. La concentration est maximale. Ah ouais. Là, la prod, elle est sucrée, tout ça. Je vais commencer par les couplets. Ouais. Parce que là sur les couplets, ça m'inspire bien. Et comme je suis une galère un peu sur les top lines, tout ça, là, je pense... Tu verras ça en cabine. On verra le refrain vas-y, un peu plus tard dans la journée. Je te sors la prod, je te l'exporte. À la limite, comme ça, tu l'as sur ton tel et tu peux l'écrire. Vas-y, carrément, ça fait ça. C'est bon déjà. On a plutôt bien avancé, on est allé assez rapidement. Du coup, j'ai exporté ça et là, carrément, il est parti écrire. Donc, ça va être un morceau vite plié, je vous le dis. En attendant, on en a parlé dans l'intro, mais j'ai pas trop détaillé. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait la prod et surtout, qu'est-ce que c'est que l'hyperpop. En fait, c'est un style de prod qu'on retrouve beaucoup aux US en tout cas, assez peu en France pour le moment. Et dans le rap, ça va se traduire par des prods assez rapides. Genre là, je suis à 151 BPM, c'est-à-dire que ça kick, et c'est pour ça que c'est assez adapté pour Todd. Et c'est des prods où en fait, on va bosser sur des sonorités un peu futuristes, comme si on anticipait un peu, et c'est ça que je trouve super intéressant. Du coup, ce que j'ai fait sur cette prod, c'est que j'ai commencé avec un synthé principal, et je voulais vraiment avoir cette petite touche mélodie un peu joyeuse. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un autre élément qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de prod, ça va être des samples de voix aiguës. On va utiliser des voix féminines, on va les pitcher, on va vraiment s'amuser avec pour avoir une petite mélodie un peu humaine, limite enfantine en fait.
Et ce qu'on peut voir, c'est que le condensé de ça, en fait, l'ajout de ces deux mélodies, ça donne vraiment un truc super rapide. Et une fois qu'on a ça, il n'y a même pas besoin de plus de mélo, en fait, on a l'essentiel. Du coup, ce que j'ai fait en dernier, c'est que j'ai rajouté des drums, les percussions, des basses assez courtes pour vraiment donner du rythme, et on se retrouve avec le résultat final. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. C'est un style assez épuré. Et du coup, vu que ça a plu à Todd, il va vraiment avoir la liberté de s'amuser dessus, faire des mélos, tenter des flows. Surtout, je sais, Todd, c'est un gars qui fait beaucoup d'adlibs d'ambiance. Donc, je pense on va bien s'amuser au rec. Bon, gars, Isos. Ouais. J'ai fini de dompter la prod. T'as tout écrit? C'était compliqué, hein. Ah, là, mon gars, c'est le challenge, c'est tu vraiment Red Bull challenge. Toi, tu rigoles pas avec ça. Vas-y, vas-y. Mais si t'as tout écrit carrément, t'es chaud, tu passes direct en cabine. Vas-y, on va essayer, hein. Vas-y. C'est parti. Vas-y, ça tue. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Ouais mon gars, du coup, je te lance le premier couplet. Vas-y, vas-y comme tu le sens et on voit juste après. Vas-y, je lance ça. Hey boy, bonbon, des billets comme des bonbons. La go fait que bomber, elle veut le tisse mais sucré comme un Bambi boy. Quand tu vas samba, il faudra pas prier Dieu. On pète le feu la santé, on sait qu'on va pas mourir. Ah ouais, je vais refaire. Ouais mon gars, là, la prise franchement, elle est carrée. En termes de couplet, c'est bien. En fait, t'as la bonne énergie. Par contre, juste, je pense, on peut aller vers un truc un peu plus enjaillant, tu vois. J'avais oublié de sourire, j'étais trop triste. Vas-y. Hey boy, bonbon, des billets comme des bonbons. La go fait que bomber, elle veut le tisse mais sucré comme un Bambi boy. Essaye d'aller sur un truc un poil plus chanté. Je pense que ça pourrait ramener ce côté un peu plus genre US qu'un riz, tu vois ce que je veux dire? Chacou dans la pièce, chacou dans la pièce, chacou dans la pièce, chacou dans la pièce. On continue, je vais refaire tout le reste en chanté aussi, hein, je crois. Si t'es guest, faut pas rapper, tu verras les retombées. Si je suis sur la capitale, oh, j'ai merdé le premier. Oh Seigneur, oui Seigneur, j'ai peur des poulets les 17. Moua moua, moua moua, moua moua. J'aime bien. Chica, chica veut des bisous. Moua moua. Oh. Elle bon sang. T'as crié ce bouffou là. Il était méchant mon moi. Hein. Moua moua. Chica chica veut des bisous, moua, moua. Elle consomme la haute couche, la gasoline, la gasoline. Veut des bisous, moua, moua. Elle consomme la haute couche, la gasoline. Ça c'est bien, pas mal, non? En vrai, ça c'est bien parce que ça force le truc, tu vois ce que je veux dire? Genre, on capte tout de suite l'intention. Tu peux les doubler, hein, et puis après, de toute façon, on verra ce qu'on égalise ou pas. Plutôt, il m'a mis une embûche. C'est une embuscade, frère. C'est une embuscade, Isos, tu fais des embuscades. Pour la maille, les trois. Ah. Maman, maman, maman. Maman, 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 maman. Ah, wesh, mais qu'est-ce que je fous? Attends, c'est quoi le truc? Remets, remets. C'est des pompes. C'est une épreuve de sport. De fou, voilà. C'est des pompes, c'est des pompes. Maman, ah. Maman. Vas-y, prends le maman, maman, et après je vais dropper. Quand ça sort, quand ça lique. Maman, maman. C'est bien, continue. Ouais, mais je vais dropper là, c'est bon. Doucement avec moi. Tu vas te dropper à chaque phrase ou quoi? Ouais. Mais c'est du chant, wesh. Mais tu sais que tu te rends pas compte du truc que je suis allez, en train allez, de faire. Allez, 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 consentant. Ok, vas-y, je te relance tout de suite. Pour la maille, les trois cartes la mettraient dans le dos. C'est ça. Vas-y. Maman gaillé, le quart de mes gars sont des barjots. Pour la maille, les trois cartes la mettraient dans le dos. Elle est bien, elle est bien. Les trois cartes la mettraient dans le dos. Pour la maille, les trois cartes la mettraient dans le dos. C'est good. Chacou dans la pièce. Si tes caisses sont pas rappées, tu verras les retombées. Les retombées. Si je suis sur la capitale, c'est pas pour faire les soldes. Oui, oui, oh, oui, Seigneur, oui. Oh Seigneur, j'ai peur des poulets. Des poulets. Lox, ça cause jog, je vais finir contrôlé. Oui, oui, oh Seigneur, oui, Seigneur, la vie d'artiste, on adore. On adore. Et rien qu'au bruit du moteur, je reconnais la matone. Vom, vom, vom. Chica, chica veut des bises. Là, t'en as donné beaucoup. Je pense que c'est pour moi, mais plus ciblé, t'as capté? Ok. Mais c'est l'énergie qu'il faut. Gasolina, moua, moua, gasolina veut des bisous. Moua, moua. Elle consomme la haute couche, la gasolina. La gasolina, oh Seigneur, veut des bisous. La gasolina, la matone. Et même au bout du moteur, je reconnais la matone. Pour le coup, je crois qu'on est bon, hein, frérot. Vraiment, je pense qu'on est pas mal. C'était chaud, tu me rejoins et on se fait une petite écoute finale. Vas-y, tout de suite même. Vas-y. Boy, bonbon,
des billets comme des bonbons. La go fait que bomber, elle veut le tisse mais sucré comme un Bambi boy. Quand tu vas samba, il faudra pas prier Dieu. On pète le feu la santé, on sait qu'on va pas mourir vieux. Attends, attends, lance, rattrape, chaque coup dans la pièce. Remobile, remobile, chaque coup dans la pièce. Si tes guests faut pas rapper, tu verras les retomber. Si je suis sur la capitale, c'est pas pour faire les soldats. Oh Seigneur, j'ai peur des poulets. Lox à cause jog, je vais finir contrôlé. Oh Seigneur, la vie d'artiste, on adore. Et rien qu'au bruit du moteur, je reconnais la matonne. Chica chica veut des bisous. Elle consomme la OG Kush, la gasolina. Chica chica veut des bisous. Elle consomme la OG Kush, la gasolina. Oh mamma mia, on t'a pas invité. Faut pas venir pour gâcher l'électricité. Alcool PIA, mes frères sont habitués. J'suis vénère quand ça sort, quand ça lique. Maman gaillé, le quart de mes gars sont des barjots. Pour la maille, les trois cartes la mettraient dans le dos. J'investis les sapes partout sauf chez Fila. J'cours derrière le wari comme quand j'vois les Mvila. Oh Seigneur, j'ai peur des poulets. Lox à cause jog, j'vais finir contrôlé. Oh Seigneur, la vie d'artiste, on adore. Et rien qu'au bruit du moteur, je reconnais la matonne. Chica chica veut des bisous. Elle consomme la OG Kush, la gasolina. Chica chica veut des bisous. Elle consomme la OG Kush, la gasolina. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode, mon gars Todd. Mon gars Isos. Franchement, merci de m'avoir accompagné dans le délire de l'hyperpop. J'espère que t'as kiffé. C'était un défi assez compliqué. Un défi vraiment, hein. Vraiment. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Red Banks. Important, il y a Rap Jeu, il y a les studios challenge. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Splendide. Bon, je vous dis à la prochaine. C'est bon déjà.